Qu'est-ce que c'est beau un sourire d'allumé. N'est-ce pas? Alors Élise, bonsoir. Bonsoir Frédéric. On sort d'une petite sortie du mardi soir de 7 km. Ouais. T'es une allumée depuis un an à peu près. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir nous rejoindre? La folie du groupe des allumés. La folie, la sympathie. Ouais, la sympathie. La jeunesse et le sérieux par moment, certainement. Voilà, par moment, pas souvent. Non, ouais. Non, mais c'est des sorties accessibles à tout le monde. Et ludique, on change de parcours toutes les sorties, il y a tout niveau, donc vraiment c'est un grand plaisir depuis un an et demi de suivre les allumés. Et puis voilà, qu'on soit bon coureur ou moins bon coureur, tout est possible. Salut Coco. Salut Freddy. Alors je me suis bien aperçu qu'au départ tu as longtemps hésité à retrouver notre troupe d'allumés. Tu venais pas, t'osais pas. Et aujourd'hui on te trouve super épanoui, on se régale à te voir courir avec nous. Tu tires un peu plus la langue un peu plus vite que nous, mais beaucoup plus joliment que nous. Pour toi les allumés c'est quoi? Alors en effet, au début j'ai eu un petit peu mal à venir. J'ai dit je teste. On peut pas dire non si on n'a pas testé. Et aujourd'hui, on dit, je prends beaucoup de plaisir à venir avec vous parce que la crainte de ne pas réussir, mais finalement, les meilleurs viennent les aider, et débutants, et du coup, c'est super cool. Et je m'aperçois que dans les allumés, il n'y a pas que la course à pied ou le vélo. J'entends dire qu'il y a des petits apéros, partages de gâteaux, et est-ce que vous gardez toujours cette ambiance d'allumés? Toujours. C'est ça qui fait le plus. Et on va courir pour pouvoir manger le gâteau. Il y en a un qui est super bien après. Il est trop large, je sais pas. Thank you.